n'ai jamais su t'aimer. Dans le Valais, on s'était promis qu'on irait pas au-dessus de la weed. Mais comme dans toutes les soirées, y'a des influenceurs. Putain, y'a comme une senteur. On dirait que ça sent la beuh, y'avait des règles à cette réçoir. On avait dit pas de guedro, pas grave. Pas grave. Parce que les gens aiment toujours mieux parler. Ce n'est pas une personnification, c'est bien ma compagne. Mon cahier quant à lui, c'est mon exutoire. J'y relate ma vie, mes joies, mais surtout mes déboires. Parfois je me regarde dans les yeux devant le miroir. Et ce que je vois à l'intérieur, c'est avant tout de l'espoir. J'ai 17 ans, je suis musicienne depuis que j'ai 5 ans et je suis violoniste, pianiste, guitariste et chanteuse. Quel est ton projet aujourd'hui pour te présenter à la commune? Mon projet, c'est d'avoir un accompagnement pour écrire des textes qui pourraient me pousser pour écrire moi-même un premier album que je pourrais peut-être mettre sur les réseaux sociaux, tout ça, sur YouTube, SoundCloud.